à Dieu. Voilà, comme je vous l'ai dit depuis hier soir, on se fait beaucoup de bien par la présence de Dieu, par ce groupe également. Ce matin encore, ils ont conduit dans la louange, l'adoration et nous les remercions. Et vraiment, c'est une joie de, 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 de louer l'éternel de l'adorer. Voilà, c'est important, bien sûr, on a des besoins, on demande, etc. Mais une, un des grands services de l'Église, c'est d'adorer Dieu. Amen. Voilà, j'aimerais vous inviter maintenant à prendre vos Bibles. On va lire dans l'Évangile de Marc au chapitre 12. Évangile de Marc, chapitre 12, le verset 28. Ceux qui n'ont pas leur Bible, vous pouvez suivre sur l'écran. Ou ceux qui ont leur portable, sur, sur leur portable aussi. Évangile de Marc, chapitre 12, verset 28. Nous lisons un des scribes, c'est-à-dire un des spécialistes de la loi, qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu au Sadducéens et ne croyait pas à la résurrection s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second commandement. Tu aimeras ton prochain, celui qui est différent de toi, comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ces deux-là. Amen. Ce matin, je vous parlerai de la première partie de la réponse de Jésus. Et le thème, c'est celui-ci parle, seigneur, ton serviteur écoute. j'ai été frappé moi-même hein, ces derniers jours quand j'ai lu ces textes puisqu'on l'étudie depuis des mois tous les jeudis après-midi ici de prendre conscience que avant que jésus dise tu aimeras dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force, et aimer son prochain comme soi-même, il dit ces paroles sur lesquelles nous passons souvent très vite. Écoute Israël. Écoute Israël. Bien sûr, il s'agit du peuple de Dieu, mais il s'agit également aussi de nous chacun pourrait mettre son prénom écoute philippe écoute thibault écoute jean le seigneur ton dieu est unique amen je vous le lire en en hébreu, Shema Israël, Adonai Elokenu, Adonai Ehad ». Et le mot Ehad » commence par la première lettre de l'alphabet hébreu ou hébraïque. Notre Dieu est unique. Déjà en disant cela, il nous démontre que le panthéisme est une fausse doctrine. Il n'y a pas polythéisme, il n'y a pas plusieurs Dieux. Le syncrétisme également Dieu est unique. S'il est la source de toute vie, nous devons apprendre à l'aimer et à aimer aussi le prochain qui est créé à son image. Ce scribe, donc cet homme de la loi, c'est un docteur de la loi, s'approche de Jésus et lui pose cette question. Une question que j'ai intitulée une question essentielle. Quel est le premier de tous les commandements Jésus nous donne la réponse, ça paraît simple, mais pour nous ce n'est pas tout à fait simple. Et il va lui répondre pour lui dire ce qu'il en est. Le premier commandement, d'aimer Dieu. Deuxième, d'aimer son prochain. Mais comme je voulais dire au départ, je mets l'accent ce matin sur cette parole Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et j'aimerais vraiment nous montrer quelque chose. Avant même d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, sa pensée, et ses moyens ou sa force, il faut d'abord apprendre à l'écouter. Avant de pouvoir aimer son prochain, il faut d'abord écouter Dieu. Parce que tel que nous sommes créés, nous n'avons pas la force pour aimer Dieu véritablement. encore moins pour nous aimer les uns les autres. Mais quand Dieu nous parle et nous dit que c'est possible, alors on ne regarde plus à nos faiblesses, on regarde à ce qu'il a dit, et s'il a dit, c'est que c'est possible. Amen. Et ce matin, je prends toute cette liberté de le dire. Merci pour les services, merci pour les activités, il en faut. Il ne faut pas rester à ne rien faire non plus. Mais avant même de servir, il faut d'abord écouter. Avant de faire, il faut d'abord écouter Dieu. Parce que si c'est lui qui nous met en route, qui nous donne les directives, même si sur le chemin il y a des obstacles, parce que c'est lui qui nous a parlé, qu'on a écouté, la chose s'accomplira. Amen. Amen. Et je voudrais ce matin, c'est vrai qu'on sort de cette pandémie progressivement. La Bible dit que Dieu part d'une manière comme d'une autre. Et toutes ces choses sont là aussi pour nous interpeller. Parfois, on est tellement pris dans nos activités, dans nos pensées. On a besoin d'être arrêté pour enfin, non pas écouter les voix de ce monde, mais la voix de Dieu. Et ma prière pour chacun de nous ce matin, c'est que Dieu, vraiment, nous aide à exercer nos oreilles, à pouvoir l'entendre et l'écouter. Il y a tellement de choses qui nous sont proposer... et il faut savoir discerner... le bien du mal... pour faire le bon choix... et c'est dans l'écoute... depuis... notre conversion... jusqu'à notre mort... frères et sœurs... un élément important... de la vie du croyant... c'est l'écoute... c'est d'écouter Dieu... et... je le dis... de tout mon cœur... Il arrive des fois où nos oreilles sont bouchées, où on, on, on entend presque plus Dieu, on, on s'entend soi-même ou les autres, ou les informations de ce monde. Et ce matin, quelques-uns sont pleins devant euh, une impasse. J'aimerais te dire que ne coûte plus cette voix personnelle, cette voix des autres, cette voix du monde, mais écoute la voix de Dieu et même devant la mer qui est fermée parce que dieu t'a parlé en te disant que tu peux la traverser tu la traverseras merci au seigneur pour sa grâce le premier commandement écoute israël le seigneur notre dieu est l'unique seigneur en même temps ça nous montre aussi que il n'y a pas deux dieux il n'y a pas le Dieu des Blancs et le Dieu des Noirs. Il n'y a qu'un seul Dieu, pour tous. Et le Dieu qui nous a envoyé son Fils Jésus est celui qui veut sauver tous les hommes. Tous les hommes. Mais pour pouvoir entrer dans ce salut, il faut pouvoir entendre sa voix. La prédication en est un moyen. Les chants, comme ce matin, comme hier aussi, euh, en est un autre moyen pour pouvoir toucher les cœurs et les vies. Et ce matin, j'aimerais te demander est-ce que tu es vraiment toujours à l'écoute de la voix de Dieu Tu répondras pour toi-même. Mais j'aimerais vraiment te conseiller, mon frère et ma soeur, que si. Tu sais écouter cette voix, quel que soit le tourbillon que tu traverses, la tempête que tu traverses, cette voix te remettra toujours debout. Amen. Cette voix, c'est une voix éternelle, une voix vivante qui accorde la vie à chacun de nous. Chemin Israël. Et le chemin, euh, le nom, euh, plutôt euh, le mot chemin, a donné aussi le, le nom Shamuel, euh, ou Samuel pour nous, qui veut dire écoute, écoute. Et ce grand prophète qui aussi va apprendre de Dieu cette réalité. Le chemin est une profession de foi, et j'aimerais vous le dire, pour ceux qui le savent, peut-être c'est juste un rappel, dans le judaïsme, chez nos amis juifs, tous les matins, il récite cette prière quand il s'élève. Et la nuit, avant d'aller au lit, avant de, de dormir, pardon, il prie également cette prière. Ça veut dire quoi Jusqu'à leur mort. Jusqu'à leur mort. Tous les jours. Tous les jours. Et ils le font encore aujourd'hui. Si tu sais et que tu récites, cette prière, que ton Dieu est l'unique Dieu, quand tu pars travailler le matin, tu ne te prends pas pour un Pharaon, ni un empereur. Et même si tu as raison sur certaines situations, tu seras gardé la simplicité, l'humilité, parce que l'unique qui est sur le trône, c'est Dieu, c'est pas nous. Et le soir, quand ils font cette prière également, ils nous rappellent ainsi, frères et sœurs et chers amis, ce matin, tu es en train de dormir, peut-être que c'est ton dernier sommeil. Mais il n'y a qu'un qui est unique, c'est Dieu. Même si tu ne te réveilles pas, parce que tu te confies en lui, lui peut te ramener à la vie. Amen. Et c'est vers lui qu'on se tourne. Il est l'unique, le parfait, le vainqueur, et ça nous garde dans l'humilité aussi. Et écouter Dieu, c'est faire ce que lui dit, parce que nous voulons, ce que nous désirons. Et des fois, Dieu bouscule même nos plans à nous. Mais quand on l'accepte humblement, frères et sœurs, à la fin, quel bonheur d'avoir écouté et entendu Dieu. Seigneur, ce matin, nous voulons ouvrir nos oreilles pour t'entendre nous parler. Des fois, on s'agite. On va par-ci, on va parler, on veut faire-ci. Mon frère, pose-toi un peu. Prends du temps avec Dieu. Et même la structure corporelle nous parle, Dieu nous enseigne. Nous avons deux oreilles et une bouche. J'ai dit Seigneur, heureusement qu'on n'a pas deux bouches qu'on a deux oreilles. Dieu veut nous parler aussi. Il faut écouter beaucoup plus que de parler. Parce que parfois on dit des bêtises. Seigneur, ce matin, je veux t'écouter. J'ai pris l'exemple d'un prophète. C'est Samuel. On va lire dans 1 Samuel chapitre 3. 1 Samuel chapitre 3, le verset 1 à 11. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles, et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Il était encore très jeune. Alors, l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici. Car tu m'as appelé. Élie répondit Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie, et dit Me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit Je n'ai point appelé. Mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'éternel et la parole de l'éternel ne lui avait pas encore été révélée éternel plutôt l'éternel appela de nouveau samuel pour la troisième fois et samuel se leva alla vers élie et dit Mais voici car tu m'as encore appelé il y comprit que c'était l'éternel qui appelait l'enfant et il dit à Samuel va couche-toi et si l'on t'appelle tu diras parle éternel car ton serviteur écoute là où souvent nous disons nous, nous disons pardon écoute seigneur ton serviteur te parle Samuel alla se coucher à sa place verset 10. l'éternel vint et se présenta et il appela comme les autres fois Samuel Samuel et Samuel pardon répondit parle seigneur car ton serviteur écoute ça c'est la bonne manière de faire alors l'éternel dit à Samuel voici je vais faire en Israël une chose qui étonnerait les oreilles de que quiconque l'entendra amen Trois fois Dieu a appelé Samuel. Il est encore jeune, il hein, faut donc le comprendre, mais il ne connaissait pas encore Dieu, il pensait que c'était donc Élie euh, euh, qui l'appelait. Élie était le prophète qui le formait. Samuel était à la, sous la formation d'Élie. De, de mais il, il n'avait pas encore euh, cette notion, cette sensibilité à la voix de Dieu. Et les trois premières fois que Dieu l'appelait, il a cru que c'était Élie qui l'appelait. Jusqu'à ce qu'Élie comprenne que c'est Dieu qui parle à, à, à Samuel et il va lui donner le bon conseil, il va écouter. Et quand Dieu, la quatrième fois Dieu parle, l'enfant, le jeune homme on va dire plutôt, dis ceci, parle, car ton serviteur écoute. Avant même d'être établi dans son ministère prophétique, il doit d'abord apprendre à écouter Dieu. Un prophète, c'est un porte-parole de Dieu. Nous parlons de la part de Dieu. Et comment veux-tu communiquer un message si tu n'as rien reçu de Dieu Et parfois, on est prêt à dire, à faire, euh, mais si ça ne vient pas de Dieu, ça ne se réalisera pas. Et c'est pourquoi ces matières, vraiment, ce matin, vraiment, l'Esprit de Dieu m'a mis à corps de vous parler de ces choses de plus en plus. Mon frère, ma sœur, c'est un défi qu'il faut relever. Parce que l'ennemi, sachant que son heure arrive, il se déchaîne de toutes parts. Et pour qu'on puisse être victorieux dans le combat, il faut savoir écouter Dieu, qui va même nous inspirer dans la manière de prier, dans la manière de faire. De dire ou de ne pas dire. Oh Jésus, ce matin, vraiment, viens appliquer cette parole dans nos vies. Parce que Dieu veut nous bénir, mais il veut qu'on soit obéissant. D'ailleurs, un enfant qui écoute ses parents, qu'est-ce qu'on dit de lui C'est un enfant obéissant. Nous avons un Père, Dieu. Soyons obéissants à notre Père en écoutant sa voix. Gloire à Dieu. Le verset 7 dit que Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Il était très jeune. Mais on peut être aussi âgé et ne pas connaître vraiment l'Éternel. Je veux le dire. On peut être soi-disant chrétien et ne pas connaître vraiment Dieu. Ça se voit dans les choix de vie. Parce que quand on aime Dieu, nos choix sont faits en conformité avec sa parole. Amen. Et des fois, il y a des gens qui veulent qu'on leur dise d'autres choses, alors que c'est déjà écrit. Seigneur, aide-nous aussi à écouter ta voix et à nous soumettre à toi. Et, mais il va grandir, cet homme, il va devenir un grand prophète en Israël. Et quand Dieu se révèle à lui, et qu'il a compris, il dit, parle Seigneur, car ton serviteur écoute. Ce que je dire aussi par là, Samuel a compris aussi la profession de foi. Samuel n'est pas le maître. Samuel est le serviteur. Pour pouvoir écouter Dieu, il faut qu'on se mette dans la position de serviteur. Le serviteur a un maître. Mais si nous nous croyons nous-mêmes les maîtres de notre vie, on n'écoutera plus Dieu, parce que nous sommes nous-mêmes nos maîtres. Mon frère, la parole nous montre ce matin ici. Que vraiment pour entendre et écouter la voix de Dieu, nous devons demeurer des serviteurs. Amen. Ça ne plaît pas toujours, hein mais c'est le chemin de la victoire. Et si on est serviteur, on est donc des disciples on doit donc euh, nous soumettre à la volonté de Dieu. Et même quand Dieu nous dit parfois non, je l'ai expérimenté, au départ, ça ne fait pas toujours plaisir. Mais ce qui nous réserve à la fin, si nous obéissons, est plus grand que ce qu'il nous a refusé. Amen. Parce que notre bonheur demeure et notre joie demeure. Parce qu'on a fait les choses selon Dieu. Et pour conclure, j'aimerais lire avec vous dans le psaume 46, verset 11. Le psaume 46, verset 11. Le psaume 46, verset 11, c'est Dieu qui parle. Comme ce matin aussi, il nous exhorte. Voilà ce qui est écrit. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez. Des fois, on est tellement pris dans nos activités, dans nos programmes, dans nos projets qu'il n'y a plus de place pour Dieu. Et ce matin, il me demande de nous arrêter. Et je cite là-dessus, en conclusion, pour aussi savoir écouter Dieu, il faut se poser un peu. Il faut s'arrêter. Et quand je préparais ce message, l'esprit me rappelait aussi ce que Dieu a ordonné au peuple d'Israël. Vous travaillerez pendant six jours et le septième jour vous vous reposerez. C'est le Shabbat. Mais ce n'est pas une loi artificielle, c'est pour notre bien à nous, même du point de vue de notre santé. Si vous êtes toujours en activité sans vous arrêter, vous vous reposer, toujours en train de travailler, de faire, de faire, mais le corps va un jour exploser. On a besoin aussi de se poser. Et quand on se pose et qu'on est au calme, on peut écouter l'autre nous parler, Dieu aussi nous parler. Ce matin, frères et sœurs, que les seigneurs nous aident. À prendre des temps de repos. Vous m'avez compris. Je ne dis pas qu'il fallait demain matin dire à son employeur Mon pasteur m'a dit de m'arrêter, donc. Euh, voilà. Un peu d'intelligence aussi, quand même. Hein non, 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 non. C'est un temps de repos spirituel pour se ressourcer et se faire beaucoup de bien. Vraiment, l'esprit m'a dit de vous dire cela pour terminer. Frères et sœurs, si les jours à venir, les mois à venir, nous savons écouter Dieu. Nous verrons de grandes choses dans nos vies, dans nos familles et dans l'Église. Parle Seigneur, tes serviteurs écoutent. Parle Seigneur, tes servantes écoutent. Et que toute la gloire t'en soit rendue. Dans le beau nom de Jésus. Amen. Merci pour ta parole. Merci encore Seigneur de nous enseigner. Nous voulons toujours apprendre de toi. Comme Marie qui était à tes pieds aussi, qui a choisi de la bonne part, nous voulons apprendre à t'écouter, Seigneur, afin que dans nos problèmes, nous trouvions toujours des solutions. Ce matin, Seigneur, j'implore ta grâce sur nos vies. Pardonne-nous quand on ne t'a pas écouté. Pardonne-nous quand on a, on, a, on a été désobéissant. Mais ce matin, nous voulons vraiment revenir à toi. Seigneur, oui, purifie nos oreilles. Pour que nous puissions entendre ta voix encore dans ce monde trouble, afin que nous avancions dans le nom puissant de Jésus. Amen.